important de l'histoire de ce festival. Il y a eu quasiment 10 années de concerts où on est passé par cette église, l'église Saint-Merry, qui est en plein cœur de Paris, qui jouxte le Centre Pompidou, qui est une église gothique à côté de la place Tinguely et Niki de Saint-Phalle, là, et qui est un lieu incroyable, qui a été un lieu incroyable pendant 10 ans, quasi 10 ans, un peu moins, de liberté, où d'aller faire des concerts dans des églises, ça existe, dans des églises désacralisées, mais là c'est une église qui est encore un lieu de culte, et mais dans laquelle on avait le droit de faire un bar avec des pompes à bière, et puis on avait le droit de jouer au volume qu'on avait envie de jouer. Et par exemple, il y a une soirée, dans les soirées emblématiques de cet endroit-là, il y a une soirée où on a pu inviter Merzbow, qui est le king de la noise japonaise, et le même soir que Zeitkratzer, qui est un ensemble de musique contemporaine allemand, qui interprétait une version à eux des pièces folkloriques qui se font dans les Alpes, autour des alpages. Et puis au milieu, il y avait un DJ set coquin de Sound of Silence, c'est trois personnes qui ont fait un disque qui est une compilation de tous les de quelques morceaux de silence sur des disques, comme le disque de Crass, qui commence avec un morceau, c'est Freedom of Speech, je m'en peux dire, qui est un morceau de silence par rapport à un problème de pressage sur un autre disque. Et donc il y a eu plusieurs groupes comme ça qui ont fait des morceaux de silence sur leur disque, et ces trois artistes font la compilation de tous ces morceaux de silence et en font un DJ set en plein milieu, juste avant Merzbow, qui est celui qui a joué le plus fort. Il y a une vidéo qui traîne sur le net de quelqu'un qui filme l'église Saint-Merry dehors et qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, c'est... Vraiment, les enfers sont en train de s'ouvrir. Et juste avant ça, il y a un DJ set de trois personnes qui passent que des disques de silence avec des gens qui crient plus fort, parce qu'on n'entend rien. Enjeu pour faire monter sur scène les personnes en situation de handicap, il y a un accueil particulier à avoir. Il faut être, faut pouvoir proposer des conditions d'accueil voilà, qui soient bonnes, mais comme pour tous les artistes en fait. Hein. Mais disons qu'il y a des fois des choses qui sont un petit peu plus compliquées à mettre en place, mais après c'est, il faut juste avoir envie de le faire et se donner l'énergie et les moyens de le faire. Quand on accueille un musicien qui a du mal à se déplacer, ben on le fait pas dormir au 6e étage sans ascenseur. Voilà, c'est à peu près pareil, chacun ses spécificités. Il y en a qui mangent pas de gluten, et puis il y en a qui ont besoin de jouer tôt parce qu'il faut qu'ils soient rentrés vite à l'institution, il faut qu'ils jouent en premier, parce que après à 22h les médocs ils font un effet, etc., et qu'on peut pas rester. À chaque fois on ajuste comment faire. Et puis effectivement les rencontres c'est la partie immergée de l'iceberg, je sais jamais, enfin celle qui dépasse. Et puis il y a un travail de fond quand même qui est fait depuis 2012-2013 avec des ateliers hebdomadaires dont Franck se charge, avec l'hôpital de jour d'Antony principalement, où depuis donc 7 ans, il y a une double activité entre une pratique musicale avec ce groupe qui s'appelle Les Harrys, et Les Harrys jouent de la musique, enregistrent des disques, tournent, et font aussi une émission de radio deux fois par mois, ou maintenant en ce moment toutes les semaines, parce que le rythme en ce moment est toutes les semaines. Et voilà, il y a un vrai travail de fond, c'est pas une fois l'an, quand on parle d'activistes sur le terrain, c'est le cas de l'activité de Franck dans le cas de Sonic Protest et ailleurs. Ouais, on parlait des activités d'intermittence, etc. Et il y a toute cette partie atelier dont on parlait tout à l'heure. Voilà, il y a tout ça qui est développé aussi à côté, quoi. Et qui permet de rentrer en contact avec des gens, de proposer des projets, de faire un petit peu bouger les choses pour que toutes ces personnes invisibles, en fait, on puisse enfin leur donner un peu un micro pour parler à la radio et des instruments pour jouer, etc.
Ouais, bah c'est comme partout, il y a des trucs bien et des trucs pas bien. Ouais, mais il se trouve que dans les histoires d'atelier, la musique expérimentale, elle permet vraiment un lien très facile avec des personnes qui sont un peu exclues, etc. Le territoire de l'expérimentation, ça permet vraiment des rencontres et de créer des choses, d'imaginer des choses. Après, voilà, il y a des personnes qui sont plus sensibles et qui vont pouvoir développer un projet musical pertinent. Et il y en a d'autres, ça ne va pas être leur truc. On fait un travail de programmateur au même niveau, enfin, pour tous les projets. Je veux dire, on va écouter, on est curieux, on va aller écouter ce qui se passe, etc. Il y a des projets qui se font avec des personnes en situation de handicap qui ne nous intéressent pas. Et c'est pas parce que la personne est handicapée qu'elle va jouer à celui de protest. Enfin, on n'est pas dans un truc comme ça. Mais il se trouve que si on prend le temps d'aller regarder, d'aller rencontrer ces personnes, il y a des projets complètement incroyables qui se font. Et on le voit au fur et à mesure des années, c'est que ça intéresse vraiment de plus en plus de gens. Au départ, il y avait un côté un petit peu... les gens venaient avec un peu d'appréhension, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Puis en fait, maintenant, c'est vraiment accepté comme des vrais projets artistiques qui sont aussi bons que les autres. Bah, ça c'est dans le cadre des rencontres. Jean-Louis Coste, il vient pour deux choses. Il vient participer à une table ronde, il vient parler de sa pratique, de voir comment sa pratique artistique le maintient en vie. Il va nous expliquer ça. et puis il va l'idée c'était de lui proposer un truc un peu différent de ce qu'il fait d'habitude. Alors il y a eu plusieurs étapes dans sa production. Il y a eu une grosse période où il faisait ses opéras, les opéras porno-sociaux, là. Toute la partie vraiment très trash. Et puis après, on a senti qu'il a commencé à développer un aspect plus chanson. On a même programmé Jean-Louis Coste nous habiller. Je pense que c'était la première fois. Allez, je reviens. Piano voix. Il restait habillé pendant tout le concert. C'était assez intriguant. Mais par contre, il y avait la même fureur dans l'exécution des chansons. Il a fait un spectacle jeune public. Ça, il fallait le faire quand même, de programmer un spectacle jeune public de Jean-Louis Coste. Ça s'est très bien passé, je vous rassure. C'était du Coste et du jeune public. C'est ce qui semblait assez incroyable que ça puisse exister. Il l'a fait. Et là, l'idée, c'était de lui proposer. C'est-à-dire qu'on a vu récemment qu'il faisait des albums avec... parce qu'il a une production incroyable, hein. Et il faisait des albums avec un harmonium. Et là, on a eu un flash. On s'est dit, bah voilà, tiens, on va lui proposer ça pour jouer aux rencontres. Et il se trouve que de fil en aiguille, la piste de l'harmonium a été un petit peu abandonnée parce que Jean-Louis, c'est un perfectionniste. Et donc, c'était compliqué d'amener son propre harmonium qui est dans une église, près de chez lui. Donc, il aurait fallu qu'on lui trouve quelque chose sur place. Il n'aurait pas eu le temps vraiment de préparer pour bien faire son projet. Donc on est parti sur une idée d'une symphonie satanique, mais instrumentale. Et ça, c'est encore une autre facette de Coste. Parce que Coste, c'est quand même un compositeur, autant qu'un parolier et qu'un performeur. Mais la musique, il la massacre, mais volontairement, en mettant sa voix qui écrase tout derrière. Mais derrière, il y a une création musicale, il a une façon de composer, de coller les sons, de jouer, de faire une espèce de cut-up comme ça, qui est très intéressante. Et du coup là on lui a demandé de mettre en avant cette partie-là de son travail. Rejoins-moi. J'arrive. Je t'attends. Rejoins-moi. J'arrive. Je t'attends. Rejoins-moi. J'arrive. Je t'attends. J'arrive.
charrie.